Thomas Markle est décidément sans filtre. Ce lundi 25 avril, le père de Meghan Markle, âgé de 77 ans, s'est de nouveau confié sur le couple princier à l'occasion d'une interview donnée à GB News. Et comme toujours, il n'est pas passé par quatre chemins au moment de donner son avis sur sa fille, mais surtout sur son beau-fils, le prince Harry. Au sujet du problème de sécurité qui empêcherait le duc et la duchesse de Sussex de revenir en Angleterre, Thomas Markle a fait part de son incompréhension, avant de s'en prendre frontalement au mari de sa fille. Je pense que c'y est ridicule. Il sait combien de sécurité vous allez avoir. Il est totalement en sécurité dans cette situation. Je ne comprends donc pas ce qu'il dit et j'ai très peu de respect pour cet homme. Je pense que s'il est un idiot, s'est-il ainsi emporté, avant d'ajouter de plus belle, il est comme un enfant. Il suit ma fille partout comme un enfant. Ce n'est pas un homme. Vous pouvez me dire qu'il était dans l'armée mais, je ne peux pas le croire. Je pense que s'il est une sorte de mauviette et qu'il le sera toujours. Il a un frère qui est un vrai homme et il a un père qui est un vrai homme. Mais je ne pense pas qu'il grandira un jour. Malgré ses propos, le père de Meghan a indiqué qu'il aimerait rencontrer ses petits-enfants, qu'il n'a encore jamais vu pour le moment, comme le rapportait le Daily Mail. Pas certain cependant que Meghan accepte après de telles déclarations. Thomas Markle souhaite rencontrer le prince Charles afin de pouvoir se rapprocher de la famille royale. Thomas Markle, qui a annoncé se rendre en juin prochain en Angleterre pour le jubilé de platine de la reine, n'a pas hésité à se comparer au prince Charles, qui serait agacé par l'attitude du prince Harry. Je pense que nous avons beaucoup de choses en commun maintenant. Nous avons tous les deux été chassés par nos enfants. Alors oui, j'aimerais vraiment lui parler. Si est-il possible, ce serait génial, a poursuivi Thomas Markle au cours de cet entretien. Une rencontre qui pourrait faire des étincelles.